Mesdames et messieurs, bonsoir. Et aujourd'hui, nous allons parler spécialement de nomination probable de M. Rameau Nomil, qui sera le nouveau directeur de la police nationale d'Haïti. Et nous allons parler un petit peu de Rameau Nomil, même si que beaucoup de monde connaît, parce que Rameau Nomil, ce n'est pas un nouveau de la police générale. Nous allons faire quelques petits passes également et sur quelques... nomination que M. et Dr. Kony Gary s'est fait dans la primature là, et notamment nomination du nouveau directeur de la primature et du nouveau secrétaire général de la primature. D'abord, quelques paroles que l'a dit monsieur. Ce nouveau directeur là, c'est déjà Nesmi Mwaniga, côté tout le monde, son surprise générale, que le Léopata Sanyo Hassan qui a nommé M. Nesmi Mwaniga, qui était contesté à la tête de. Et notamment à la tête du ministère de l'Éducation nationale, et puis qui était pressenti pour devenir ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Mais là encore, il y a quelques monde qui passent et que M. en place ça. Et puis, finalement, il y a là M. Kony, et vient mettre M. en place. Et directeur général de la primature. Donc, on a retourné sur tout petit cause de ça, parce qu'il paraît que l'international a joué une jouette intense dans le genre de nomination ça, comme ça, c'était toujours fait dans le pays. Bon, nous parlons un petit peu de M. Rameau Nomil. Rameau Nomil lui-même, M. c'est un ancien de la police. Lorsque j'ai nommé monsieur comme directeur général de la police pour la première fois, monsieur a 20 ans dans la police là, en tant que directeur de la DCPJ. Monsieur était dans la tête de DCPJ de 2012 jusqu'à 2018. En 2012, on connaît, c'était ça, Martelly Tabral pour le pouvoir. Et donc, monsieur Rameau Nomil lui-même, il fait partie de la quatrième promotion de la PNH d'Haïti. Le monsieur fait études militaires au Chili en 1999 et monsieur était venu nommer, là, monsieur est venu entrer, il est venu en pile grade dans la police, et monsieur est venu nommer comme l'inspection générale de la police nationale. Et monsieur était affecté dans la brigade des affaires criminelles dans le pays d'Haïti. Et monsieur était fait un petit passage également dans l'UCREF. Mais monsieur il paraît que lorsque M. était à la tête de la DCPJ, la Direction Centrale de la Police Judiciaire, M. était porté une série de. M. était quand fait une série de belles actions. M. était porté de bons résultats entre 2012 et 2018. Et tout ça, c'était sous Martelly. Martelly vient de tomber. Et puis, Privé vient de prendre. Et puis, Privé, c'est Jovenel en 2018, jusqu'à ce que Kounia là. Et Jovenel lui-même est venu révoquer monsieur. Il paraît que lorsque Jovenel n'a pas révoqué Rameau Nomil, c'est en ce moment-là qu'on connaît que le pays a été en crise et les bandits ont toujours à faire et défaire. Dans le pays, ça n'a pas déjà tombé. C'est le moment, 72 heures après, que M. Katsamaozo nous songeait, qui était arrêté les missionnaires. Il était arrêté, on s'est deux mounes dans le pays, et puis qu'on y a là, monsieur pas de cafanier, et puis qu'on y a là, il vient révoquer monsieur. Et c'est américain, sous pression américain, qui demandait pour révoquer. Qui est-ce qui était remplacé, monsieur, à ce moment-là? C'était Léon Charles. Léon Charles lui-même, qui était déjà dans la police, déjà depuis 2004, et puis qui se trouve qu'on y a là, il vient nommer monsieur comme nouveau directeur de la police nationale dans le pays. Léon Charles lui-même, qui était déjà échoué déjà dans la police en 2004, et puis monsieur, il est devenu nommé monsieur, et comme représentant permanent d'Haïti à l'ONU. Jovenel Moïse a profité de ça aussi pour le capable de faire monsieur voter l'éviction du Venezuela et monsieur Chavez dans la tête de l'OEA. Et puis il a voté contre l'OEA, l'OEA n'a pas fait partie encore de l'OEA grâce à Jovenel, bien que l'OEA c'est qu'elle a Haïti gaz et presque gratis avec un long crédit et puis Jovenel Moïse
t'es mandé Léon Charles, t'es pour capable foutre le Venezuela dehors. Mais tout ça, c'était, sur, bien entendu, j'ai l'impression, des grandes puissances américaines, la France, et puis, et puis le Canada. Bon, donc on est, ben, SAO, c'est eux-mêmes. Américain, puisque Léon Charles, c'est un poulain américain, et Léon Charles lui-même, t'es venu remplacer Ramon Orbil. Ramon Orbil, qui était commencé à faire quelques petits changements dans la police, là, il disait, voulait monter et l'agent policier, il va se dire que c'est les hommes humains qui ont eu, et donc il faudrait que nous montions l'agent, on ça, on croit, il devrait mettre presque 10 000 goulas plus sur l'agent, mais il fait qu'on est que, là, ça, c'est Joute qui devait remplacer Lapin. Joute a dit que c'est une décision politique que M. Tapra, donc qui fait que, et à ce moment-là, il était metté, et M. Léon, donc, on connaît. Jean-Michel, Michel-Ange Léon, qui était directeur de la police en ce temps-là, et M. était très frustré, et dans le discours de M. A, M. était fustigé un petit peu, une série de moon, et qui, et en quelque sorte, et, des faux soyeurs et de la République, qui étaient quand attaquer sérieusement. Donc c'est ça, le problème ça qui est toujours dans la police là. Ils ont politisé la police là, ils ont le monde qui est chef de la police là, qu'on y a là, ils n'ont pas qu'à faire rien, ils ont le civil qui a le vrai pouvoir dans le monde, c'est eux-mêmes qu'on y a là, qui ont fait et défait. On voit un cap by coup de langue qui vient monde par au bout main, parce qu'ils ont un privilège, ils ont besoin de subir, suivre, ils ont le monde, on sait le policier qu'on y a là, à aider un petit peu, en quelque sorte, l'ordre civil qui est autorité, qu'on y a à suivre, faire garde de corps, etc. Donc, et puis, faire des basses besoins pour eux-mêmes dans une série de domaines. Donc, c'est ça qui est dans la police, là, qui, la police politisée qui fait que toujours bien belle. En plus, ce n'est pas des militaires de carrière, disons des policiers de carrière qui font et défait dans la police, là, monde qui peut être météo. Il va jamais mettre, par exemple, nous songez, c'est qu'un Jacques Joël Oriver, qui était directeur départemental du sud de la PNH, c'est le même qui était pressenti et pour te remplacer Lamo Normil à la direction de la PNH. Donc, bon, monsieur était repoussé, monsieur, parce qu'un mec qui est venu dit non, c'est pas monsieur Poula, donc c'est sur l'autre monde. Donc, c'est toujours monsieur Sarro qui a fait et défait à la tête de la police. Donc, Nexao, quel que soit Nex qui vient dans la police, là, il va apporter un quel résultat. Le pire, c'est que nous, toujours jeunes, nous sommes de ping-pong qui a fait dans la police, là, aller, venir, vous quittez là déjà, il n'y a pas rien, il reprend encore. Après 14 ans, par exemple, et M. Léon Charles qui était là en 2004, 14 ans après, il vient renommer encore, bien que il était détaché de la police, là. Et puis, là, M. Pralé aussi, M. allé frustré, parce qu'il mettait Léon couché, bien qu'il reprenne encore dans l'OEA. Et puis, qu'on y a là, et c'est M. qui est venu remplacer encore. Et puis, qu'on y a là, Ramon Normel qui était là, M. l'a déplacé. Il a mis M. Léon Couchin aussi, par Michel Lapin. Et puis, il y a là, Michel Lapin, oui, j'étais monsieur. Je viens de remplacer, et puis je lui-même, et également lui-même. Et je viens de mettre Ramon Normil dehors, sans Couchin également. Je viens de remplacer monsieur. Donc voilà, c'est comme ça que bah, il a toujours fait. Renvoi de balle ping-pong. Ça a fait dans la police, là. Nous pas croire que la police, dans l'état que l'il y a là, c'est pas une réforme ça qui a été faite dans la police. Il faudrait que une réforme en profondeur qui est faite et puis jeter une série de nègres et qui pas, ou bien tout sur au directeur général, il faudrait la balle et tout en direction de la police générale, il faudrait la balle tout pouvoir que l'État mérité pour être capable de faire et de faire, révoquer et puis faire un vetting qui est absolument nécessaire dans la police pour retirer aussi de mauvaises graines qui font partie de la police. En tout cas, monsieur le docteur Colin, nous connaissons si c'est une pression de la part des grandes puissances, comme nous connaissons le docteur Colin lui-même également, c'est un pion des Américains. C'est lui-même qui vient de faire politique de la puissance étrangère.
comprenez? Donc, nous avons espéré que le choix qu'il fait là, c'est un bon choix pour lui, et que le pays a dû prendre l'autre étape, et puissance et force déploiement étranger là pour arriver très prochainement, d'ici semaine prochaine. Donc, nous espérons que ça est capable de un bon point, et peut-être que les bien travail suggéré et pour le capable qu'on ait qui ça va faire. Nous ne pouvons pas vraiment anticiper de l'intention, monsieur, pour qui ça a choisi. Monsieur Rameau, non, mille, est-ce que vous avez parlé avec déjà, ou bien est-ce que son choix résigné comme ça que vous faites? Donc, nous espérons que mon stratégie que ça étudié avec monsieur Rameau, non, mille, et pour être capable d'accueillir une nouvelle force là, qui va venir là, mais pour être capable de dire aussi, de l'autre côté, monsieur LB, lui échoué aussi, parce que tout le monde échoué, qui était passé dans la police là déjà, peut-être bien, on l'est, LB va le retourner dans la police encore, il va faire quelques appels de bons points, quelques bons points qui étaient faits, et puis il va dire, monsieur LB, retourner dans la police, ça, ça dépend qui est ce monde qui va à la tête du pays, ou bien à la tête comme premier ministre, selon Java, il va le passer. Donc, nous ne pouvons pas vraiment anticiper ce qui va le passer demain, nous ne sommes pas des devins, nous ne sommes pas Dieu. Donc, nous là, on a suivi l'événement pour nous, vraiment. Maintenant qu'on est au monde qui s'est échoué dans le passé, et si c'est avec les mêmes conditions, là, toujours échoué, toujours, la grande insérieure qu'il peut faire. D'un autre côté, M. Dr. Conné lui-même, il était nommé, et M. Nesli Maniga comme nouveau directeur de la primature. Maintenant, vous ça, M. Nesli Maniga, c'est encore également un pion des puissances étrangères, Canada, Brésil, et la France, les États-Unis, bon, nous pensons que M. Nesli Maniga il a toujours bien gardé dans différents postes qu'il occupait dans le pays. Et malheureusement, il n'a pas occupé le poste de ministre de l'Éducation nationale, parce qu'il a pile peut-être qu'on a porté contre lui-même, non, c'est des réformes qu'il a dû faire, qui n'a pas fait, mais que lui-même il a instauré en pile réformes dans le pays. Ben, nous ne pouvons pas vraiment, nous ne pouvons pas juger Mounio sous ça au fait, ça au pas fait, ni sous ça que dit de lui-même, parce qu'il y a toujours un des opposants et qui a parlé du monde. Et puis, il a installé également le nouveau secrétaire de la primature pour que M. Conny commence bien à travailler. Nous pensons que bon réunion, conseil des ministres qui était réalisé, je dirais même, entre M. Conny avec tous ses ministres, tous les ministres étaient déjà là. Donc, M. Conny a préparé cheval de bataille pour le capable de commencer le travail sérieusement à partir de la semaine prochaine. Toutes les installations déjà faites, ministre de la Justice installé, ministre de la Communication installé, et tout ministère gagné, Mounio dans la place déjà, il y a ces résultats d'attendre de la part de Dr. Conny, vraiment, qui travaille sans relâche, à vrai dire, pour le capable de mettre l'institution en place. Et que c'est un petit bémol, c'est que Plasta et tout le monde délaissé par les nationales, comme M. CPT ou Tadoué et Brun et Fonction dans le palais national, mais ils ont laissé en l'air sur les hauteurs, et puis ensemble avec et puis Matula qui est en face, face pour face, on y a M. CPT de côté, et puis M. Conny de l'autre côté de la route. Et côté Nagyo, ils vont le diriger presque ensemble, ils vont pas traverser la rivière pour le rencontrer l'autre jour. Donc, nous espérons que dans la semaine capitale, la sécurité a pris tenir dans la place dans le pays d'Haïti, et que chaque monde va reprendre la place dans le local que vous devez exercer pour voir, et puis qu'on a la subaille. Merci à tous. Pas oublié sur un petit programme ça de Télézéclair, et bien abonnez avec page là, et puis ben nous un like pour capable toujours joindre une petite vidéo que nous avons toujours fait pour nous. Merci à tous et à bientôt.